Salut Arnaud, aujourd'hui on est à Puy-Saint-Vincent, au 16e Festival International du Rire. Alors, on va visiter la station, tu vas voir, ça va être simple. Regarde, on se rejoint là-haut. Bon, ben, je suis bien perdu, moi. Où est-ce que je suis? Ah, regarde Marco, on est ici. Séquence, The Festival du Rire. Je déclare la guerre au chef de cette station. Alors Marco, ici sur les télésièges et surtout à Puy-Saint-Vincent pendant le festival d'humour, on rencontre des gens intéressants. N'est-ce pas monsieur, bonjour. Léger. Ouais. Voilà, c'est pas l'idéal hein. En tout cas, moi, je casse pas la gueule. Alors, Marco, on va arriver à l'arrivée du télésiège. Et là, il y a plusieurs techniques. Est-ce que tu peux nous expliquer ces techniques, Marco? Il y a plusieurs techniques possibles. Toi, tu maîtrises très bien celle de la gamelle. Mais il y en a une autre beaucoup plus simple qui consiste à se laisser pousser par le siège. Et hop, ça glisse. Facile, non? Et maintenant, le festival en concours. Non! Je suis né sous X! C'est haut! Je suis né sous péridural et j'en perds pas le nom! Il est rentré dans l'estorcou, il a tapé sur le comptoir et il a gueulé. Il y a pas moyen de boire un canon dans le tranquille! Oh, mais c'est les ordres! Une grande carrière de comique comme ça, ça serait génial! Parce que comique, le rire, c'est une des plus beaux métiers du monde! Parce que si le rire, c'est le propre de l'homme, le comique, c'est le chapeau! Et moi je suis le petit Marseillais. Ah, c'est bien d'avoir un film. Marco, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi on a deux bâtons, hein, et pas trois? Même 7, hein. Alors Marco, on est sur une piste de ski, il y a différentes techniques. Le chasse-neige, pourquoi? Comment ça fonctionne le chasse-neige, Marco? Le chasse-neige, Arnaud, c'est hyper simple. C'est réservé uniquement aux gens qui ont les genoux qui rentrent. Chamois d'or. Depuis l'école. Et maintenant, le festival offre. En suçant un poilu, j'ai fait une intoxication de la moutarde.